Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un patrimoine naturel unique au monde, c'est la forêt sèche de La Réunion. Cette forêt sèche, elle se trouve principalement à La Réunion, à la Grande Chaloupe. La forêt sèche, elle est composée de plantes endémiques et indigènes qui étaient là avant l'arrivée de l'homme. Je vais vous montrer une carte. Est-ce que vous reconnaissez cette carte? Alors, Maya. C'est la carte de La Réunion. Exactement, c'est bien la carte de La Réunion. Et sur cette carte de La Réunion, on voit la forêt sèche qui était présente avant l'arrivée de l'homme. Et voilà ce qu'il reste de la forêt sèche. Il reste actuellement 1% seulement de cette forêt sèche. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'homme, il est arrivé et il a eu besoin de se nourrir. Les hommes, ils ont rasé la forêt. Est-ce que c'est la seule raison? Oui, Adrien. Parce qu'il y a des plantes exotiques qui envahissent la forêt sèche. Lorsque l'homme est arrivé à La Réunion, il a amené avec lui des espèces exotiques qui ont pris la place des plantes endémiques et indigènes de cette forêt sèche. Il faut savoir que cette forêt est en voie de disparition. Donc, conclusion, on doit tous être impliqués, être concernés par la sauvegarde de ce patrimoine naturel qui est unique au monde.